Pour créer sa chaîne YouTube, donc il faut au préalable aller sur la plateforme youtube.com. Donc vous tapez youtube.com, donc vous allez sur cette plateforme. Donc une fois ici, on clique sur connexion, mon connexion. Je rappelle que pour pouvoir créer une chaîne YouTube, il faut avoir une adresse Gmail. Parce qu'avec une adresse Gmail, vous avez accès à tout. Donc nous, ici, on n'a pas d'adresse Gmail. On va essayer ensemble de créer un compte Gmail. Donc je clique sur créer un compte. Donc ici, on me demande mon nom et mon prénom. Donc je dis par exemple tuto. Donc je dis tuto CM par exemple. Donc c'est des exemples. Donc je souhaite créer une adresse Gmail. Donc j'écris tuto CM. Voici, c'est disponible. Donc si c'est pas disponible, il me propose des adresses Gmail à utiliser. Donc moi je prends ça, tuto CM11. Je réécris mon mot de passe. Voilà, je répète le mot de passe. Moi je choisis mon jour de naissance, ma date de naissance plutôt. Bon, je vais prendre novembre 1992. Je suis un homme. Si c'est possible, je mets le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est pour pouvoir récupérer votre compte après. Donc, je choisis mon pays et je clique sur l'étape suivante. Donc il me demande d'accepter les règles de confidentialité. Donc je défile en bas, j'accepte. Ouais. Donc ici, une fois que j'ai créé le compte, il me dit de poursuivre vers YouTube. Donc je clique dessus. Donc comme vous pouvez voir, c'est listé ici les services de Google auxquels vous avez accès avec un compte Gmail. Donc je clique sur poursuivre vers YouTube. Voilà. Donc vous avez remarqué que une fois que j'ai créé le compte, il y a le petit logo ici, il y a le petit avatar ici qui me dit voilà, je suis connecté avec mon compte. Là maintenant, nous allons voir comment créer la chaîne. Donc je clique dessus sur l'icône, je fais Creator Studio. Il me dit vous devez créer une chaîne, donc je clique sur créer une chaîne. Donc j'ai la possibilité ici de changer, de donner un nom à ma chaîne. Donc ici, il prend automatiquement le nom d'utilisateur comme nom de chaîne. Donc si je veux pas, je dis utiliser un nom d'entreprise ou un autre nom, donc je clique dessus. Je choisis le nom de ma marque, ou soit si j'ai pas, je suis pas une marque, je laisse tomber, je fais un retour. Nous ici, on va juste changer le nom, donc on fait tutoriel CM, donc CM en majuscule. Donc on clique sur créer une chaîne. Donc voilà, donc là, maintenant, on vient de créer notre chaîne YouTube. Donc vous voyez qu'une fois que j'ai créé la chaîne, donc j'ai toute une multitude de menus ici qui permet de gérer ma chaîne YouTube. Après, comment vous voyez, il n'y a aucune vidéo. Je peux créer des playlists, j'ai accès à tout. Maintenant, nous, on va cliquer sur chaîne donc pour voir un peu qu'est-ce qu'on a. Donc on clique sur chaîne. Donc ici, automatiquement, si vous créez une chaîne YouTube, il faut valider la chaîne. Donc pour pouvoir valider la chaîne, vous avez besoin d'un numéro de téléphone. Vous avez remarqué que ici, tous les outils ne sont pas activés, par exemple la monétisation, les vidéos plus longues, c'est pas activé. Donc vous avez la possibilité d'activer tout ça. Comme je le dis, voilà, donc ici c'est seulement activé vidéo, mise en ligne et application de montage. Donc vous avez besoin d'un numéro de téléphone pour pouvoir valider votre compte. Donc c'est un peu résumé ça, comment créer une chaîne YouTube rapidement. Avec cette chaîne, donc vous avez la possibilité tout de suite de mettre en ligne tout ce que vous voulez, mais les vidéos ne sont pas très longues. Donc ici, vous avez le nom de votre chaîne. Ici, c'est l'illustration de votre chaîne. Donc, on peut voir ça dans Canva, qu'on va faire une illustration pour la chaîne. Et ici, vous avez une description de votre chaîne. Donc, vous décrivez votre chaîne, ce que ça fait. Donc, on dit par exemple tutoriel. Retrouvez sur ma chaîne des tutos sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc ici, vous écrivez la description de votre chaîne avec le lien vers vos articles, etc. Donc, nous, on clique sur OK. Donc là, on a notre chaîne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du tutoriel. Bon, j'espère que si vous n'avez pas déjà lancé votre compte YouTube et si vous avez envie de partager ce que vous faites, votre passion avec les gens à travers une vidéo, je vous invite à suivre ce petit tutoriel, à vous lancer, à créer votre chaîne YouTube, à mettre les informations adéquates sur votre chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du contenu, du premier contenu à mettre sur votre chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas, laissez-moi un pouce, écrivez-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao.